Appelez-moi un sou. Ah, c'est doux, c'est comment? Ansu Damaro. Parce que le petit Ansu Damaro, j'ai tout fait, tout fait, tout fait. Mais quand une personne vient du village là, c'est pas facile. Quand une personne quitte le village et part en Europe, c'est pas facile. C'est difficile, très difficile. Très, très difficile. Partager le live. Affaire de monétisation là, la vérité là. C'est ce que moi je vais venir vous dire ici là. C'est ce que je vais venir vous dire ici là. Le petit Ansu Damaro, il rentre en clash avec des femmes. Les Lanettes, il est encore team. Même si c'est la fille qui lui a proposé de monétiser sa page. Il rentre en clash avec celle-ci. Et puis là, il vient sur la toile montrer que lui, il gagne 16 000 dollars par mois. Eh, il a gagné 16 000 dollars en 90 jours. Maintenant, nous, on n'est plus tranquille. On n'est plus tranquille parce que par là, il y a nos parents qui nous appellent pour dire que ah, tu es sur Facebook, tu gagnes 10 000 dollars par mois. Quels 10 000 dollars? Ansu Damaro, tu ne peux pas arrêter tes trucs de Gawaya là. Tu peux pas arrêter tes trucs de Dougoulaya là. Hein? À cause de lui, vous sortez pour pas. Allô? Même Nirimaya. À cause de lui, tout le monde pense que Facebook, ça donne des milliards. Facebook donne des. C'est-à-dire, on gagne 10 000 dollars par mois. Non, mais le petit là, c'est un gawa. Il sort, il monte, il fait live pour dire que, ah, moi, j'ai gagné 16 000 dollars. J'ai rentré, sorti comme ça. Papapi, papapi, papapa. J'ai gagné 16 000 dollars. Hein? La fille l'appelle. Il parle avec la fille. La fille la monétise. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est quoi la monétisation Facebook? Quels sont les gens qui gagnent l'argent sur Facebook? Monétisation, là. Je ne sais pas comment Ansu Damaro, lui, il a eu ses 16 000 dollars. En 3 mois, en 90 jours. Par quelle magie, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Hein? Par quelle magie? Facebook, là. Nous, on est venu sur ça. Nous, on est venu sur Facebook, là. Avant même que les gens ont dit qu'il y a affaire de monétisation. Ça fait des années. Ça fait 8 ans, moi, je suis dans le blog. Ce n'est pas pour rien, j'ai mis sur moi le king. Ce n'est pas pour rien, j'ai mis sur moi le king. Parce que je suis le premier, c'est-à-dire le premier blogueur masculine, oui, de la République de Guinée, GN. Les Ivoiriens sont monétisés depuis des années, ils bouffent de l'argent. On ne les entend même pas crier. On ne les entend même pas crier. Les Guinéens qui se monétisent là, qui commencent à gagner les 500 dollars, les 1000 dollars, 2000 dollars, c'est fini. Ils sortent pour crier. Le petit là, il n'a jamais touché. C'est-à-dire une grosse somme montante dans sa vie. Une grosse somme montante dans sa vie. Il n'a pas touché. Il ne connaît pas c'est quoi gros montant. Ma vidéo là même, ce n'est pas monétisé. Quand vous rentrez dans ma vidéo là, vous ne verrez pas de pub. Stopping. Stopping. Parce que je veux pas venir parler de lui pour dire que je suis en train de chercher de l'argent sur lui. Non. Tout ce qui vous dit que gagner, qu'on gagne. Non, le gars là, c'est un gawa quoi, Ansu Damaro. Mais non, c'est un vrai gawa. Tu es un vrai mytho. Quand je te dis là, mytho, mets tête de mort. C'est un mytho, le gars là. Il est plus qu'un mytho. Un mytho marabolé qui est parti aux États-Unis par hasard. Il va venir exposer les choses pour dire que lui, il gagne 16 000 dollars. On gagne 16 000 dollars où? Facebook. Facebook va payer 16 000 dollars où? Tout le monde a vu Guido Fulbert. Tout le monde a vu Guido Fulbert. Guido Fulbert a eu combien? Quelque chose de 200, 2 millions rentrés comme ça. Même ceux qui parlent de Pai Kounsaré là, c'est faux. Ce n'est pas ce que Pai Kounsaré gagne. Les images là, ça vous trompe. Je vais vous montrer là tout de suite. Ça trompe.
Ceux qui gagnent de l'argent sur Facebook, ce sont les gens qui font la comédie. Ceux qui font les lives. Ceux qui font la comédie, c'est eux qui gagnent de l'argent sur Facebook. Facebook, il y a trois types de monétisation. Ces trois types de monétisation, c'est quoi? Il y a le partenariat avec les grandes marques. Et les comédiens, ils ont accès à ça. Les grandes marques vont accepter de faire leur collaboration avec les comédiens. Mais blogueur politique, Facebook ne donne pas beaucoup d'argent. Parce que c'est un problème, c'est des problèmes. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est des problèmes, c'est des clashs. Dans les trucs de confidentialité de Facebook, les règlements de Facebook, tout ce qu'on dit là, il y a ça dedans. Et c'est les restrictions. Le petit Ansou Damaro sort que lui, il a gagné 16 000 dollars. Rentré, sorti comme ça. Hein? Maintenant, nous qui parlons de la politique et ceux qui font de la comédie, avant même, les blogueurs politiques ne sont pas monétisés. Facebook a fait signer une pétition. Ils ont accepté de monétiser les blogueurs politiciens. Mais tout en, c'est-à-dire en limitant ce que les blogueurs politiques gagnent. Parce que la politique, vous savez tous, la politique, ça mélange les gens. Donc Facebook ne veut pas contribuer à donner de l'argent à ceux qui vont se mélanger. Parce que la politique, ça mélange. Toute personne qui parle de la politique, blogueur politique, politicien, ne gagne pas sur Facebook. Même si on dit qu'il y a 10 000 pubs qui passent sur sa page, il va gagner, hein, il ne va pas dépasser les 1 500 dollars. C'est ça la vérité. Qu'au 90 jours, lui, il a gagné 16 000 dollars. Donc, ça veut dire que les 16 000 dollars là, il a gagné chaque mois 5 000 dollars. Comment l'argent leur est parti? Ils font des Chrome posts là, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous voyez, il est en live chez Nanette, il est en live chez LCC, il est en live chez qui? Benito, il est en live partout. C'est ce qu'on appelle les Chrome posts. Maintenant, quand tu regardes le live là chez Benito, quand tu regardes le live là chez Nanette, quand tu regardes le live là chez qui, tous les pubs là qui passent, ça s'accumule. Si vous voyez les filles sont en train de réclamer l'argent, Ansou Damaro pense que tout l'argent là c'est pour lui. Non, ce n'est pas pour lui. Il doit envoyer l'argent des filles là. Parce que quand vous faites Chrome post, vous synchronisez les pages. Quand vous faites la synchronisation, c'est dans le domaine Facebook, on appelle Chrome post. Quand vous faites la synchronisation et que ça passe chez tout le monde, l'argent là va s'accumuler, ça va s'accumuler. Ce n'est pas pour toi seul. Donc normalement, tu dois envoyer l'argent pour les autres. C'est ce que les filles sont en train de réclamer à Ansou Damaro. C'est ce qu'il ne veut pas envoyer. Tellement les filles ont eu confiance en lui, le gawa là, la fille a mis le compte de Ansou. Si j'ai suivi un peu, la fille a mis le compte de Ansou. Sinon, la personne qui monétise ta page, c'est elle qui met son compte. Nous qui sommes en Afrique, on a signé des partenariats avec des entreprises, des sociétés qui prennent 30%, il y en a qui prend 35%, il y en a même qui prend 40%. Mais moi, la société, parce que moi je m'y connais, on ne peut pas me bouffer. Les gens avec qui je travaille, j'ai fait 30%. 30% là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 1000 dollars, il a 300 dollars. Et moi, je ne fais pas de synchronisation. Seulement mes deux pages. Agile King et Agile TV. Mais je vais vous montrer. Ça même, l'argent là, c'est pas beaucoup.
c'est pas beaucoup, c'est nos petits gains. Si nous, les blogueurs politiques là, par exemple, moi je suis de l'UFDG, c'est mon parti qui doit chercher, comme le vice-président l'a dit hier, Fode Houssou, c'est mon parti, normalement, qui doit créer des budgets pour les communicants. Il devait créer des budgets pour les communicants. Chaque fin du mois, moi je suis au Sénégal, on me donne tel montant pour que je me nourris et je nourris ma famille. Communicant qui est aux États-Unis, chaque fin du mois on lui donne tel montant, celui qui est en France, celui qui est en Guinée, celui qui est comme ça. Mais à l'IFDG, on n'a pas de budget pour les communicants. Il n'y en a pas. Sauf si les bonnes personnes, quelques mois là, on nous dit, ah, il faut nous envoyer. On a galéré ici combien de temps? Il y a mon frère, je ne veux pas dire son nom, je ne veux même pas qui, parce qu'il ne va pas. Voilà, il y a beaucoup de gens. Ma fille de l'autre côté, hein, qui nous ont aidés, ils nous ont aidés, payés nos loyers, payés nos loyers. Les gens sont tous les jours nous insulter, vous ne travaillez pas, tu es là assis tout le temps. Hein? Donc normalement, c'est l'UFDG, nous communicants de l'UFDG, c'est le parti qui devait créer un budget spécial pour les communicants. Parce que c'est nous qui payons les passes, c'est nous qui payons nos téléphones, c'est nous qui payons le temps qu'on prend pour publier, c'est nous qui payons le courant. Et quand on dit maintenant, UFDG ne nous donne rien, on ne nous donne rien, les gens pensent qu'on nous lave avec des millions de l'argent. Et pourtant, UFDG ne nous donne rien. Il y a des communicants qui sont sur le terrain, comme Ibamasori Kamara. Ibamasori Kamara d'Abondi, tous les jours, il est dans les radios. Il n'y a aucun budget pour lui. Aucun budget. Je suis en train de parler avec à mon parti, Go. Je n'ai pas appelé une RPJ ici. Attends, je n'ai pas appelé une RPJ ici, Go. Tu viens insulter ici, je te dégage de ma part. Je suis en train de parler avec mon parti. Ibrahima Sori d'Abondi, il est à Conakry. Tous les jours, il est dans les radios, il monte, il descend. L'autre jour, quand il m'a appelé pour me dire qu'il est en train de marcher à pied, il n'a pas de transport, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? C'est moi qui ai appelé quelqu'un, la personne lui a envoyé 100 000 francs. Voilà. Le parti UFDG doit créer des budgets pour des communicants. Et pourtant, Ibrahima Sori, moi et d'autres personnes, tous les jours, on est assis sur les réseaux. Vous nous voyez chaque matin, midi, soir, on est assis. On déstabilise le régime. On déstabilise telle personne. On déstabilise, on défend le parti. Nuit et jour, chaque jour. Oui, ce n'est pas, on ne fait pas pour argent, on le fait par patriotisme. Patriotisme. Donc, le petit Gawa vient, il ouvre, qu'on lui gagne 16 000 dollars. On n'est pas tranquille, il y a nos parents qui sont à Conakry, il y a le Ramadan qui arrive. Les soeurs qui commencent à appeler. Ah, on a vu que Facebook là, il dit que les gens gagnent. Quel argent? Je vais vous montrer. 7 jours, j'ai gagné 170 dollars. Tous mes voyants sont ouverts. 177 dollars. Et je vais vous montrer 92 jours ce que j'ai. Attendez. Vous voyez? Revenu, 7 derniers jours, vous voyez, 177 dollars, vous voyez. Maintenant, la chance est que tout ce qui est en vert là, ça c'est une bonne chose pour moi. Voilà, le gars nous met comme si nous on gagne des milliards. Maintenant, je vais vous faire venir ici. Revenu, dernier 7 jours. Je vais venir ici. 14 jours. Hein? Voilà. Regardez. 196. 14 jours. Hein? 14 jours. Ça, c'est 196. Maintenant, je vais vous enlever à 14 jours. On va aller ici. 28 jours. Ça, c'est un mois. Un mois. Hein? Un mois. 267 dollars. Un mois. Hein? Un mois. Maintenant, je vais vous envoyer de trois mois, les 90 jours que Anshu Damaro, lui, il a eu 16 000 dollars. Hein? Ça, vous voyez, c'est 90 derniers jours. Hein?
Voilà. 1600. Cela veut dire les 200 et les 100 et quelques que vous venez de voir là. Hein? Cela veut dire tout ça là, accumulé, ça fait 1600 $. 1600 $. Maintenant, les 1600 $ là, ça c'est 3 mois. 3 mois. Vous voyez, 90 derniers jours. 90 derniers jours. Maintenant, ce n'est pas 1600 là que Facebook te donne à donner d'un seul coup. Les 1600 là. Facebook n'a pas donné ça d'un seul coup. Facebook envoie ça comment? Facebook envoie ça en 300, en 400. Le mois, décembre, janvier, ils envoient 400. Celui qui a monétisé ta page, il prend ses 30% dedans. Il prend 30% dedans. Dans les 400 $, il t'envoie 300 ou 350. Il prend ses 30%. Il envoie même 250. Il prend ses 30%. 250 $. Si tu calcules ça, c'est 2 500 000 francs guinéens. Nous, nos maisons ici, on a des enfants ici pour les nourrir. Hein? Les nourrir, payer le loyer, payer facture de maison. Hein? Tout le monde sait que la vie de Dakar est chère. Le petit, il sort, il montre, il expose. Il a synchronisé les pages des gens. Cela veut dire toutes les pages qu'il a synchronisées là. Tout ce que les pages là ont gagné pendant 3 mois, avec ce que lui, il a gagné, c'est ce qui a fait 16 000 $ chez lui. C'est ce qui a fait 16 000 $ chez lui. Maintenant, l'argent des filles là, maintenant, lui, il ne veut pas retourner ça. Il ne veut pas retourner ça. Maintenant, si c'est les comédiens, eux, ils gagnent. Eux, ils gagnent. Trop peu, eux, ils gagnent. Hein? Eux, ils gagnent. Maintenant, lui, petit, il sort. Il pense que quand il dit qu'il gagne 16 000 $, là, les gens vont lui mettre bigop. En dessous, tu mens. Pourquoi toi, tu es mytho comme ça? Pourquoi le petit, là, est mytho comme ça, là? Non, mais non, c'est pas possible, quoi. Pourquoi le petit, là? Mais qui a fait que le petit, là, a eu Green Card pour partir aux États-Unis? Qui a fait que le petit, là, a eu Green Card pour aller aux États-Unis? Hein? Hein? On se monétise. Parce que notre parti, il n'y a pas de budget pour les communicants. On doit se monétiser pour au moins avoir le prix pour payer nos loyers, pour nourrir nos enfants, payer nos factures. Après, on ne gagne rien. Le petit, il se prend pour qui? Pour mentir comme ça aux gens. L'argent des nanettes, il faut envoyer l'argent des nanettes là-bas. Toutes les pages qu'il a synchronisées. Parce que j'avais entendu la fille dire qu'ils ont synchronisé même la page de Ibro Diabaté. Il doit envoyer l'argent de Ibro Diabaté. Parce qu'il peut synchroniser la page de c'est-à-dire la personne qui a beaucoup d'abonnés. Il synchronise la page de la personne qui a beaucoup d'abonnés. Boum! Dès qu'il est en live, son live sort là-bas. Et puis, c'est-à-dire ta page, la page de la personne lui fait gagner de l'argent sans que la personne ne sache même. Il doit envoyer l'argent de Ibro Diabaté. Ibro Diabaté, il doit envoyer ton argent. Ansou Damaro a ton argent. Hein? Voilà, c'est rien ça. 1500 $ par... ce n'est même pas 1500 $ par mois. C'est les 1600 qui... Moi, chez moi, 90 jours, j'ai gagné 1600 $. 1600 $ là, 90 jours. Le mois là, on te paye 400. L'autre mois, on te paye 500. L'autre mois, on te paye 400. 400 $, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? On parle de la politique. Il y a certaines vidéos, ce n'est même pas monétisé. Tu peux faire 10 vidéos. C'est 2 vidéos qui prennent dedans. Pub peut passer. Hein? Il y a pub qui peut passer. Mais hey, ils vont dire qu'ils ont, c'est-à-dire restreint la monétisation sur cette vidéo. 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 Hein?
Regarde-moi des conneries comme ça, un gawa sorti de nulle part. Hein? 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 Oh! Oh! Regarde-moi ça. D'accord, même 1000 dollars, ce n'est rien ici. 1000 dollars, ce n'est rien. Même 2000 dollars, ce n'est rien ici. Le petit sort, il faut envoyer l'argent des nanettes en dessous. Tu es en train de me regarder. Envoie l'argent des nanettes là. Envoie l'argent de Tim là. La fille là est malade. Quand la fille a montré même son ventre, j'ai eu pitié d'elle. Wallahi billahi. La fille là est malade. Elle s'est levée pour faire des trucs pour toi. Envoie l'argent des filles. Envoie l'argent des filles là. En dessous. Tu es là-bas, continue à faire ton Uber. Tu peux faire Uber 100 ans, tu ne vas même pas avoir 10 000 dollars. Fais Uber, tu ne peux pas avoir 10 000 dollars par mois. Tu ne peux pas avoir 10 000 dollars par mois. Hein? Continue à faire Uber là-bas. Regarde-moi ça. Il est là à créer clash. C'est-à-dire, il crée clash même entre les filles et lui. Même entre les filles et lui. Même entre les filles et lui. Dès que les filles parlent, le gars là, c'est un petit homme à femme. Dès que les filles parlent, même si c'est un bébé qui parle le nom d'Ansou Damaro, il va prendre son téléphone, il fait là. Mais les gens qui comptent sur toi là, je ris sur eux. Les gens qui comptent sur toi là, je ris sur eux. Parce que même si c'est un bébé qui fait live, il dit seulement le nom d'Ansou Damaro. Dès que la personne n'a même pas fini de faire live, il prend son téléphone. Ah, je vais parler. Il part à côté, n'importe quoi. C'est avantageux, bas. C'est pas avantageux, bas. C'est bon, bas. C'est pas bon, bas. C'est positif, bas. C'est négatif, bas. Il ne connaît rien. Non, le petit, là. Que lui, il a gagné 16 000 dollars. OK. Les 16 000 dollars, il ne faut plus faire de monétisation. Il faut t'arrêter comme ça. Si tu as gagné 16 000 dollars. Hein? Regarde-moi ça. Non, le petit, là. Envoie l'argent des nanettes, là. Envoie l'argent des nanettes. Monétisation. Les blogueurs politiques ne sont pas payés comme il le faut. Monétisation, les blogueurs politiques ne sont pas payés. Parce qu'on dit certains termes, on prononce certains mots qui est condamné par les lois de Facebook. Dès que tu dis ces mots-là, Facebook restreint ta monétisation. Dès que tu les dis, c'est détecté automatiquement. Alors, et pourtant, moi, ce n'est pas à cause de Facebook. Je vais me retenir de dire certains mots, certaines vérités à certaines personnes. Non, je vais le dire, qu'ils ne restreignent pas. Bah. La preuve est qu'ils ont restreint. Ils ont restreint, hein? Ma page, ils ont restreint. Ils ont restreint. Parce que ce que je dis, dès que je dis certains mots, la machine détecte, on dit monétisation limitée. Je vais vous montrer. Je parle par preuve, moi. Voilà. Par preuve. C'est ça, les blogueurs politiciens. C'est ça. Attendez, je coupe. Ouais. HTV. Monétisation. C'est qu'est-ce qui est écrit ici? Vous avez vu? Monétisation limitée. Vous avez vu, non? Hein? Vous avez vu? Hein? On a encore envoyé examen. En cours d'examen pour infraction aux règles de monétisation. Vous voyez? En cours d'examen aux règles de monétisation. Parce que les choses qu'on prononce, Facebook directement, dès qu'on prononce, il bloque. Dès qu'on prononce, il bloque. Dès qu'on prononce, il bloque. Bande de mythos, Dougoula Ralomoussé. Je ne sais pas qui a fait que le petit là a eu Green Card pour aller aux États-Unis. Tu penses que quand tu vas dire tu as gagné 16 000 dollars, que les gens vont... Tous les gens que tu as synchronisé les pages là, il faut leur donner leur argent. Va leur donner leur argent. Dougoula Matoba. Bonne nuit, à demain. En tout cas, nous,
Nous, on est là. On est là. On restera là. Tous les gens qui vont venir faire leur mythomayana pour dire que c'est rentré sorti comme ça, c'est faux. C'est faux. Il n'a qu'à envoyer l'argent de Korotim là. L'argent de Nanette là. L'argent même de Koti là. Le gars là qui a les barbes là. Son ami là. Comment il s'appelle? Sissi. L'argent de qui encore? Comment il s'appelle? Benito. L'argent même de Ibro Diabaté. Il n'a qu'à envoyer son argent. Parce qu'il a synchronisé page là avec eux. Vous, est-ce que vous, à part ma page Agi Le King et Agi TV, est-ce que vous voyez ma vidéo sur une autre page? À part ma page Agi Le King et Agi TV, est-ce que vous voyez ma page, ma vidéo sur une autre page qu'on synchronise? Regarde-moi ça là. Dougoula. Non, le petit là, j'ai trop pitié. Non, le petit là est trop gawa quoi. Vrai mytho. Après, c'est pour sortir, s'asseoir sur les réseaux, raconter du n'importe quoi. Que lui, il est éveillé. Non. Voilà. L'argent de mon... Merci, mon frère, Alpho 224. L'histoire de monétisation, là, donne l'argent aux comédiens et les artistes. Le reste, gagne-leur des dépenses. Vraiment, mon frère, c'est ça. Hein? Regarde-moi le mytho, là, que lui, il a gagné 16 000 dollars. Non, le petit là, vraiment. Et on va se coucher. Vraiment, il va sortir pour me répondre. Il va sortir encore. Il va mettre son téléphone. Il va montrer tout. Il va montrer les choses. Et pourtant, la fille a eu confiance, a mis son compte bancaire. Sinon, la personne qui monétise ta page, c'est cette personne qui doit mettre son compte bancaire. Voilà. Si tu es en Afrique, hein, mais si tu es en Europe, c'est toi-même qui dois mettre ton compte bancaire. Si tu es dans les zones où il y a, les pays sont éligibles, nous qui sommes en Afrique, les pays ne sont pas éligibles, on fait partenariat avec des entreprises, on signe un contrat avec eux, et puis ils nous monétisent. Quand l'argent vient dans leur compte, ils prennent leur pourcentage et nous envoient nos dépenses. Un point, c'est tout. Le petit là va sortir que lui, il a gagné 16 000 dollars. Et puis, les gens ne dorment plus. Combien de personnes qui m'appellent depuis 2 jours, 3 jours, 4 jours, depuis que les gens ont vu vidéo de Ansoula? Combien de gens qui m'appellent? Hein? C'est-à-dire, combien de gens... Wallahi, il doit beaucoup remercier Divi, America. Combien de gens qui m'appellent? Il y a des messages dans mon Facebook, dans mon messenger ici. Salut, grand, s'il vous plaît, aide-moi à ouvrir une page. J'ai vu Ansou Damaro là. Salut, grand, je vais ouvrir une page. Salut. Ansou veut faire que tout le monde va devenir blogueur. Tout le monde va devenir blogueur à cause d'Ansou Damaro. Tout le monde va devenir blogueur. Tout le monde va devenir blogueur. Vous avez vu comment mon petit Guido Fulbert, il est sorti, il a montré ses 2 millions. Non, c'était pas si c'est 2 millions combien bas. C'est ça, c'est la dépense. Il avait montré paiement de 400 et quelques dollars. C'est ça, c'est les dépenses. Non, le petit là, c'est un vrai mytho quoi. Il faut donner l'argent des teams là. Il faut donner l'argent des nanettes. Il faut donner l'argent des filles. Ça, c'est des femmes. Il faut avoir pitié. Il faut avoir honte. Donne l'argent des filles là. Parce que les LCC, les Benito, ils vont pas, ils ne comprennent rien. Il faut donner l'argent des filles. Parce que les filles, Tim là, elles connaissent l'informatique. Elles connaissent ça, c'est son job. Voilà, il faut donner ça. Ceux qui ne connaissent rien là, tu peux bouffer leur argent. Mais donne l'argent des filles là. Regardez-moi ça, ouais. Que lui, il a gagné 16 000 dollars. Non, mais c'est pas possible, quoi. Depuis vidéo de Ansoula, c'est la vidéo là, c'est sous... Attendez, je vais vous montrer. Gossip. La page là aussi, Gossip est là. Tout le temps, mettre le feu, l'huile au feu. Page Gossip là. Tout le temps, ils sont là, mettre l'huile au feu. Dès que tu fais vidéo, ils récupèrent. Dès que tu fais vidéo, ils récupèrent. Les gens de Gossip là. Où est la vidéo là même? Hein?
Où est la vidéo là même? Voilà, voilà. Ils ont même vu comment monétiser. Non, mais non, c'est... Voilà, c'est ici. Voici la vidéo de Ansou. Ansou, c'est écrit, Ansou Damaro fils gagne plus de 16 000 dollars en 2 mois. Qui peut voir montant là? Est-ce que tu n'as pas envie d'ouvrir une page aussi? Qui peut voir ça? Tu n'as pas envie d'ouvrir une page aussi? Hein? Qui peut voir ça? Hein? Nos petits sont tellement tourmentés à l'air là dans les réseaux. Grand co, je vais créer une page. Je vais créer une page. Hein? Grand co, je vais créer une page. C'est ça. Regarde. J'ai pas fait 90 jours. Regardez. Plus de 16 000 dollars. Oui, Le mois passé seulement, il y a eu plus de 7 000 et quelques. Allah ou pas? Le mois passé, juste pour le mois passé. C'est juste le mois passé. Donc, les données ici, vous avez vu. Vous avez vu, ces jours-ci, j'ai arrêté de maintenant, faire il va être... vidéo sur ma page, ma Guinée d'abord. Il va être démasqué ici. Je suis revenu ici du 3 mars au 9 mars. 807. 800. Regardez, je vais vous montrer. Les 7 derniers jours. Voici, c'est ce qui est là. 800. Maintenant, on va prendre... 800. Il va prendre 28 jours, hein. 14 jours, toujours 800. Toujours 800, il a pris 14 jours. Il va prendre 28 jours, il va toujours 800. Vous voyez qu'il ment. C'est-à-dire, il a montré ce qu'il a gagné en 7 derniers jours. 800 est sorti. Il a montré en 14 jours, toujours 800. 28 derniers jours, toujours 800. Ce qui n'a pas compris, au fait, tout l'argent qui est parti là, ce n'est pas son argent. Si tout n'est pas son argent. Hein? Il monte avec... On a mis son compte. C'est son compte qui a été mis. Donc, quand on monétise, le compte de la personne qu'on met, l'argent là, ça va partir là-bas. Quand on monétise, l'argent... Le compte de l'argent qu'on met, c'est là-bas l'argent va partir. C'est là-bas.